Erwan Volant, musicien, guitariste de la scène bretonne depuis environ 20 ans. J'ai une formation de jazz au départ et je me suis tourné vers la musique traditionnelle bretonne il y a environ une vingtaine d'années par le biais de certaines rencontres, notamment Ronan Lizès, avec lequel nous avons fondé le groupe Daraou. Le Festival Interceltique de Lorient m'a contacté récemment pour coacher un jeune groupe, Trégorois, Warzao. C'est un groupe de 5 musiciens, de jeunes musiciens. Ils ont fait appel à mes services pour leur transmettre mon expérience en tant qu'accompagnateur. L'objectif, c'est de leur permettre de s'ouvrir sur peut-être d'autres perspectives, d'autres influences musicales, sans pour autant perdre l'identité première du groupe. Rendez-vous le 13 août au Festival Interceltique Quai de Bretagne pour découvrir cette collaboration avec le groupe Warzao. Edmond Lecoul, violoniste du groupe Warzao. Warzao, c'est un groupe de musique bretonne à danser, groupe de Fesnons. Le groupe joue depuis début 2012 en Fesnons. Il est composé d'un accordéoniste, Quentin Guillot. À la bombarde, nous avons Mathieu Messager. Au chant, nous avons Corentin Ledavet. Moi, je suis le violoniste. Et il y a aussi Camille Bossard à la guitare. Le Festival Interceltique de Lorient nous propose cette année de suivre un coaching musical avec le guitariste Erwan Volant. Erwan nous apportera des clés, des astuces et méthodes pour développer notre capacité à construire notre répertoire. Et donc se produire à la fin au festival. Et tout ça, tout en gardant l'identité et l'énergie du groupe. Warzao vous donne donc rendez-vous le dimanche 13 août au Quai de la Bretagne au Festival Interceltique de Lorient pour la soirée de clôture. Kenavo! Oh, no, 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 no,